Certains ont survécu. D'autres non. Voici leur histoire. L'euphorie fut de courte durée. Intercepté par les troupes allemandes qui tenaient toujours Saint-Mihiel, Karl et Anna furent conduits au quartier des officiers pour y être interrogés. Karl réintégra les forces allemandes, tandis qu'Anna fut envoyée au chevet des soldats. Le 8 avril, les forces françaises lancèrent un assaut sur Saint-Mihiel, une opportunité que Karl décida de saisir. Et salut, toi derrière ton écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux. Aujourd'hui, épisode 10 du follow sur Soldats Inconnus. Épisode 10, ouais, déjà épisode 10, incroyable. Je comprends pas comment ce jeu arrive à durer aussi longtemps. Salut monsieur. Okay. D'accord, donc il faut sortir par là, on va du coup aller à droite évidemment. Ah oui, les infos évidemment, les infos, l'histoire. Saint-Mihiel est occupé par les Allemands dès septembre 1914. C'est une position importante car elle forme un saillant dans la ligne de front et qu'elle coupe l'utilisation du rail entre Paris et Nancy. Plusieurs tentatives seront menées en vain par les Alliés jusqu'à l'arrivée des troupes américaines en 1918 qui reprendront la ville. Toujours plus de gaz. Les gaz de combat utilisés pendant la guerre sont plus lourds que l'air et descendent dans les tranchées, les tunnels. Les nappes peuvent stagner dans les creux du champ de bataille, forçant les soldats à garder leur masque très handicapant. Aujourd'hui encore, des obus à gaz non exposés hantent les anciens secteurs du front. Effectivement, t'as dû voir ça peut-être aux infos ou sur internet, qu'il n'est pas rare de retrouver des anciens obus non explosés de la première, voire la seconde guerre mondiale, dans certains... Certaines campagnes de France, alors principalement les campagnes, pourquoi? Parce que c'est là où c'est le moins urbanisé, forcément sur les grandes villes ou tout ce qui est ville nouvelle, ils construisent énormément, du coup ils ont tendance à enlever énormément de terre, etc. Et voilà, tout est dégagé instant, quasi. Mais les campagnes, il y a des champs et des champs et des champs et des hectares de champs qui ne sont pas touchés, qui ne servent que pour les cultures. Et un beau jour, un promoteur arrive, décide de construire et de creuser pour faire les fondations, et bam, ils tombent sur des trucs. Le temps de l'époque. Oui. Monsieur Delos. C'est le best. Le flux, flux. Frette. Interhang mallet. Donc on pouvait aller à droite, à gauche. Attends, je ne sais pas du coup. Du coup, j'ai envie d'aller à gauche. Forcément, toujours aller à l'inverse de là où il faut aller. Ok. D'accord. Pas de soucis. Ah. Merde. Je voulais entrer au journal, moi, mais. Okay. Pas de touche directe. Ah oui, d'accord, okay, c'est vrai. Par là, j'ai croisé Karl vivant. Quelle fuite intelligente. Habillé un cadavre avec ses vêtements, ça a marché. Nous avons franchi ligne, nous étions si près du but. Suspect de trahison. Non, jamais. Combien de fois je vais devoir dire que je ne suis pas un espion qui me croit. C'est vrai que lui, c'est vraiment le plus poisseux, je pense, de tous. Hein. Ah, j'ai loupé une page. Okay. Ouais, lui, c'est vraiment le gars, à chaque fois, il passe à deux doigts. Hein. Même à un doigt, d'ailleurs. Un percheron, ça? Il dirait un percheron. Le cheval derrière. Très stylé. Incroyable ce jeu, il fait 10 épisodes quoi. J'ai autant d'épisodes sur Soldats Inconnus que sur Spec Ops. Les épisodes sont, ouais, sont peut-être un peu plus longs. Courts, pardon. Ok. D'accord. Tac-tac. C'est bon. J'ai ce qu'il faut. Et mon casque.
Oh, fallait savoir ça. Fallait savoir. Une plaque allemande de 1916. Cette plaque d'identification contient une partie détachable qui reste avec l'état-major pour extraire le côté administratif de la mort. La partie principale reste sur le cadavre. Ce modèle est mis en service fin 1916. Nickel. Bah oui, c'est bien. Donc... Oh, il y a des trucs à récupérer ici. Peut-être il y a des trucs cachés. Ah. Attends. Quoi? Ok. Il y a un casse ici, bordel. Faut jouer cette porte. Il faut une clé. Bon. On va se casser le bignou. On va checker ce qui se passe. Ok, d'accord. Comment on pourrait le... Ouais, je sais. Attends, le chien. Je fais marcher mes méninges, des pommes. Ok, ah ouais. D'accord. Ok. La Gazette des Ardennes est un quotidien publié en Belgique qui est distribué en zone occupée par les Allemands. C'est un outil francophone de propagande allemande qui vise à informer les populations des zones occupées et les camps de prisonniers des faits d'armes des empires germaniques et austro-hongrois. D'accord. Ouais, c'est d'accord. Je pense qu'il y a un truc avec la pomme. Parce que ça, c'est un objet, mais un objet, t'as pas obligé de les avoir. Toi, c'est juste des collectibles. On va quand même récupérer une pomme. On va aller totalement à droite. Ça ici. Y'a rien ici. Non mais, on voit cette pomme. Bon, ça y'a rien à faire. Tu vois? Ah! D'accord, ok. Du coup, il faut taper dans la cloche pour attirer le garde, le soldat, près de la cloche, de façon à ce qu'il tourne le dos. Au trousseau de clés que je vais faire tomber grâce à la pomme. Et le chien va le récupérer. Genre, il voit rien, le gars. C'est... Tout va bien, ok. Hop, merci pour les clefs. Qu'est-ce que quoi? T'es Google, Walt, ou comment ça se passe? Merci, ami. Incroyable. Donc on a des clex. Il nous sert à ouvrir cette porte. Incroyable. Merci, le chien. Le casque. Mais merci, Walt. Je suis pas Google non plus, quoi. Tac, c'est bien. Ok, ça c'est le drapeau, je vais s'en remettre dehors. Ok. Et que ça va faire pour l'instant, de toute façon. Voilà. Tac, 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 tac. Ah, papa, papa. 1, 8, 7, 0. Eh oui. Hop. Alors, 1. Je sais pas comment on valide. Non. Je veux dire. Ok, j'adore. Elle est connectée. Apparemment, il n'y a pas de zéro. C'est pas ça? Un 8, c'est... Attends, quand même! Ah! Pire que ça! Quoi?
Ah d'accord, 1, non, 8, 1, 5. 8, 1, 5, incroyable ça. Un peu plus compliqué que ce que je pensais. Pas mal, pas mal. T'as dit quoi? 1, 8, 1, 5? Non, je sais plus. 8, 1, 5. Incroyable. Hop. Baïonnette française cassée. Contrairement à la baïonnette allemande, la baïonnette française est une aiguille très pointue qui doit transpercer les ennemis et passer entre les côtes pour provoquer de graves blessures internes. Certains font des entailles latérales sur la baïonnette. D'accord. Voilà. On a tout le matos. Okay, d'accord, on se fait attaquer. Enfin, on se fait attaquer. Le fouineur, enfin oui. Non. Ok. Ok. Non. Ah, c'est tellement instant. C'est tellement instant. Tu fais. Non. Voilà, j'ai vu le mec s'accroupir. Et pas d'attraque. On me dit si le chien s'est arrêté là, c'est que c'est safe. Il s'est arrêté dans le chien d'ailleurs. Bien. Oh, ok, d'accord. Oh. Ok. Super, vraiment. On adore. La gaieté est présente. Let's go. Quoi? Ah ouais non mais là... C'est dingue hein, malgré son aspect cartoon il... Malgré son aspect cartoon il est quand même violent le jeu en fait. Ça, tu ressens quand même la violence. Pourquoi t'as pas besoin de montrer des hectolitres de sang pour choquer et pour montrer à quel point quelque chose peut être violent. Attends, je comprends. Hey, ouais, parce qu'il faut que tu m'aides le chien. D'accord, ok. Non mais, d'accord, mais... Putain, je peux rien faire. Pourquoi je peux m'accrocher comme ça? Bah ouais, mais quel intérêt Faut que je fasse ça? Ah, je comprends pas. Est-ce que je ne peux pas... Est-ce que je peux la gripper? Non. Ok, c'était ça. Incroyable. Bien joué le chien. Incroyable, c'est pour lui, j'ai pas d'été. Ah le chien. Ah y'a un truc là. Flasque, petite flasque qui tient dans une poche de chemise. Les flasques de ce genre étaient souvent remplis d'alcool fort pour donner un coup de fouet avant d'affronter une situation critique ou pour se réconforter d'être encore en vie après une émotion vive. Incroyable, j'en ai besoin, je pense. On vient de changer de niveau apparemment, j'ai même pas fait gaffe. Allez, comme ça tu peux me ramener le mien. Allez, go. Nickel. Le Stahlhelm, désolé pour la prononciation. Ce casque lourd allemand est le remplaçant du casque à pointe. Il est introduit en priorité sur les champs de bataille à partir d'octobre 1916. Il est prévu pour protéger les combattants des éclats d'obus et de shrapnel. Beaucoup plus épais que le modèle français, il offre une meilleure protection. Même les oreilles sont à l'abri grâce à son rebord. Mais son poids est beaucoup plus important. 1,320 kg contre 580 grammes. C'est le premier vrai casque lourd de l'histoire. T'imagines 1,3 kg sur la tête. Plus tout le barda, plus... On ne peut pas en fait imaginer.
où aller du coup? Est-ce que je vais dans le bon sens? Ah ouais, il faut aller là. Ouais. Ouh. Tandis que Carl touchait enfin au but, Freddy rejoignit les troupes canadiennes stationnées à Vimy. Dans le ciel, George, le pilote britannique de la Royal Air Force, repérait les positions allemandes pour guider les tirs d'artillerie. Ce jour-là, les Canadiens menaient la charge. Ah merde. Putain, j'ai même pas fait gaffe que j'étais... On enchaîne quand même, parce qu'on a un petit épisode d'un 15 minutes. On va aller un peu plus loin quand même que ça. D'accord, lui il est là pour tirer des manivelles. Quoi? D'accord. Je suis là, je vais mettre des patates. Non. Oh là là. Oh là là. Waouh 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 waouh. Ouais. Évidemment. Quoi? J'en sais rien moi. Aucune idée de ce que je fais. Pourquoi faut détruire le truc avec le drapeau, je suppose, évidemment. Je pense. Du coup, on va se mettre vraiment à 80. Hein. J'adore la précision de cette merde. Mettre en 60. Non. Ouh, ça sert à rien, c'est quoi le délire? Ou je suis pas dans le... Je suis pas bien encore? Là? Ça se trouve... Non, ça se trouve rien à voir en fait. Pourquoi il y a un drapeau? Alors quoi? Quel est le problème? Il n'y a plus de drapeau. Ok. Il n'y a plus de drapeau, on va comprendre. Forcément un truc par là. Évidemment qu'il y a un truc par là. Incroyable. Roi de la côte 145. Tiré sur le drapeau allemand avec le canon à la craie de Vimy. Ah d'accord, c'était... Quoi? C'était pour un succès. D'accord. Le casque Brody est connu aussi sous le nom de Tommy. Sous les noms Tommy ou casque shrapnel, pardon, c'est le casque de toutes les forces de l'Empire britannique. Canadien, Australien, Anglais, Irlandais, Écossais, Sud-Africain, Indien, tous le portent. Même l'armée américaine le commande pour son entrée dans le conflit. Sa forme particulière, décidément, lui valut de nombreux surnoms tels que assiette à soupe ou plat à barbe. Plat à barbe. La côte 145. La côte 145 est une crête à proximité de Vimy. C'est un emplacement stratégique de 8 km de long qui permet de dominer les plaines aux alentours. Le 9 avril 1917, 100 000 Canadiens se lancent à l'assaut et s'emparent enfin de la crête. Elle est devenue le symbole pour les Canadiens de l'engagement dans la guerre en tant que nation indépendante. La crête de Vimy leur sera donnée en 1922 par la France et plus de 11 000 arbres y sont plantés en hommage aux 11 000 hommes qui sont tombés. Okay. Qu'est-ce que quoi encore? Et ben. Et ben quoi? Ouais, 5. Ah d'accord, 5 et du coup. Non, arrête. Du coup 5, il faut que je mette en 5, c'est ça? Si je suis pas trop au gogol, ça doit être ça. Bien vu. Et donc en 65 on va dire. On va dire 60-65 quoi.
Tac, 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 tac. Finalement, heureusement, j'ai essayé... avant, de comprendre le vrai intérêt. Parce que sinon, j'aurais jamais tiré sur le drapeau. C'est bon ? Enfin, non, c'est bon. Ah ! Ok, ok, d'accord. Ok. Oh merde. Waouh, waouh, waouh. Les gars. Pas encore. Ah, je shoot. Hein. On n'a pas le temps. Ok, ok, ok. Non. Wow. Oh, c'est ouf. Ok. Trouver une manivelle. Manivelle ici. C'est pas une manivelle, mais bon. La molette. Prendre sur le coin de la gueule. Ça peut servir pour ça si j'ai pas de conneries. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Des pièces canadiennes. Les cents et les dollars sont déjà en place. En 1914, ils sont à l'effigie du roi George V. Les Canadiens en France touchent une solde de 1,1$ par jour. À l'époque, cela correspond au salaire moyen d'un employé de bureau ou d'un ouvrier journalier. Attends. Il y a un truc à faire, mais je sais pas quoi. Parce qu'il faut sûrement faire péter toute cette merde. Ouais, je pense. Mais j'ai rien pour. Il y aura des trucs en haut, peut-être. Ouais, on peut pas. On ne peut point. Donc, ça servait à quoi mon engrenage? Ah, ok. Ok, boys, hey, you! Quoi? Let's go, boys! Je vais quoi? Je vois rien, mec. Ok, boys, hey, you! Come on, boys! Je ne bite rien du tout. Ah, je veux bien, mais... Ah d'accord, ok. Ok. D'accord. D'accord. Encore, putain. Oh, mec. Voilà. Pourquoi les grenades en dessous, je sais pas. Il y aura un truc. En avant. Oh oui. Eh oh, attendez-moi. Oh, sur le ponton, quoi. Mon tank. Ah merde. Je vais me protéger par le tank ou pas? Ouais, faut vraiment rester genre juste derrière lui. What the fuck? Ah ouais. Quoi? Oh, c'est chaud. Ok. Ok, on fait des coups de latte aux avions. Allez, on avance avec ça. On va le faire. Quoi? J'ai complètement zappé.
What the fuck, j'étais bien jusqu'à présent. Incroyable. Tu sens la haine en moi ou pas? Oh, je suis deg. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Comment je peux le pousser ou le tirer? Ok, d'accord. Vraiment, plus c'est simple, moi j'y arrive quoi. Ça fonctionne pas. Ah, peut-être ça fonctionne, hein. Je sais pas. Quel rapport avec le. Non, quel rapport en fait. Je suis à fond. Je capte rien, bordel. Je peux pas le tirer, je peux rien faire. Comment quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas rester bloqué ici tout de même. Je peux pas le pousser en fait. Ah, d'accord. C'est tout, on va pas faire ça. Ok, d'accord. Fallait tirer jusqu'à que. Voilà. Ok, je pouvais pas le savoir. Ok. Tac, tac, tac. Hop. Maquette de la colline disponible pour les soldats afin qu'ils puissent tous voir les objectifs à atteindre en 3 dimensions. C'est une des nouveautés apportées par Général Bing. Hop, du coup j'ai tous les objets dans cette mission, ça c'est rare, j'arrive à tout trouver. Hop, si il m'en manque toujours un peu. Wow. Après tant d'échecs, tant de sacrifices, les Canadiens étaient parvenus à reprendre la colline aux Allemands. L'entrée en guerre des États-Unis était incertaine. La victoire de Vimy fut décisive pour faire pencher la balance du côté des Alliés. Dans sa dernière lettre, le jeune frère de Freddy lui confirma que les États-Unis avaient enfin choisi leur camp. Karl n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de son but lorsque le son de l'aviation française résonna dans le ciel d'avril. Ah, c'est trop dur d'arrêter là, mais il faut arrêter là, ça sera pour demain, j'ai trop envie de continuer. Enfin, moi, je peux continuer, remarque, hein, mais toi, t'auras l'épisode demain. Ah, c'est trop chaud. Ah, la musique et tout, le... Ah là là. Oh là là, ce jeu ne se finira donc jamais, mais c'est excellent. Ce jeu est dingue. Oh là là. Bah écoute, j'espère que ça te plaît et que t'es autant à fond avec moi. Autant à fond que moi, plutôt, ouais. Avec moi aussi. rendez-vous demain, du coup, 18h30 pour l'épisode de 11. Du follow. C'est incroyable comme on continue à avancer dans le jeu et je me lasse pas et j'ai l'impression que ça pourrait continuer des heures et des heures. C'est une dinguerie. Je te rappelle que tous les liens sont dans la description évidemment si t'as envie de voir ça sur. Juste de voir Twitch, putain, Instagram, Twitter et compagnie. T'as tous les liens dans la description si t'as envie de me suivre. Vu que je suis en live aussi 2 à 3 fois par semaine sur Twitch. Voilà, voilà. Quant à moi, rendez-vous demain à 18h30. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. N'oublie pas, car moi je n'oublie pas. À la prochaine. Tchuss.